Maintenant, così, così, grazie, Presidente. Io vorrei iniziare, no, perché risparmiamo tempo, 5 minuti, un minuto alla regia. Ha pagato tutto? No, l'agence de patrimoine, ils ont valeur et l'IMP. Ah sì, la parte pubblicitaria. Comme ça, on organisera le congrès suivant. Bonjour, benvenuti alla séance 5. Benvenuti alla quinta sessione di questo convegno e ho l'onore di invitare Véronique Bruquier de e Sophie Afiane Nouri a parlare del progetto di tutto il gruppo Samir Anullah, Haitham Abidi, Tamou Moukaï, Michel Bonifay, Fatma Haddad, Elisabetta Neri e le titre è Caractéristiques de l'implantation du mobilier, une nouvelle approche de l'iconographie des stèles de l'ère sacrée de Douga. S'il vous plaît. Depuis 2017, l'équipe tuniso-française a repris l'étude du sanctuaire de Saturne et notamment de l'aire sacrée, donc le temple de Saturne visible à l'extrémité de Kef Douga et la vue de drone du sanctuaire de Saturne. L'établissement punico-numide de Douga donc a été délimité d'après les deux espaces funéraires et le sanctuaire l'aire sacrée de Baal Amon se situe donc en contrebas de la falaise sur un replat et que vous avez également ici. La ville romaine s'est beaucoup développée et on compte 35 sanctuaires, temples cultuels connus par les vestiges et par l'épigraphie. Donc, au premier siècle, le sanctuaire de Saturne a été construit en pierre. Voilà donc les premières recherches de Louis Carton en 1892. Il a fouillé à l'extérieur du péribole du temple de Saturne et a trouvé un champ d'urnes et des stèles. Plusieurs donc, ont été découvertes et publiées, ainsi que des vases. Mais les études anthropologiques et fauniques, en fait, on pensait à l'époque que c'était que de la faune dans les urnes. Donc, actuellement, l'étude des stèles et des collections anciennes est reprise par Sonia. En 1927, Alfred Merlin pratique un sondage à l'intérieur de la cour dans cette zone qui est repris par Claude Poinsot en 1955. Et là, vous voyez les documents d'archives de Claude Poinsot qui a trouvé donc des stèles et en dessous des urnes. Ces stèles sont placées contre le rocher. J'arrive pas à... Ouais. Plusieurs inscriptions à Baal Amon avaient été trouvées dans les fouilles anciennes et plus récemment sur les différentes recherches qui ont lieu dans le sanctuaire.
La reprise donc, de l'étude du sanctuaire a montré au moins cinq phases. La première phase, c'est le tophet, donc limité à l'extérieur et sous la cour. Une deuxième phase, le temple en pierre, qui a été agrandi en 195, comme l'atteste la dédicace de la frise du portique. Et sans doute début 3e siècle, on a construit un calciticum avec un grand portique de façade et une plateforme sur laquelle devait s'appuyer un escalier latéral d'accès. Les temples G et H sont datés du 1er siècle et n'ont pas de relation en fait, architecturale avec le sanctuaire de Saturne. Il a été coupé, le temple G a été coupé lors de la construction du portique. Donc, nous avons décidé de réouvrir le sondage de la cour qui avait été complet par des pierres pour vérifier s'il restait des vestiges en place, des stèles, des urnes. Et donc déjà, il y a eu un tri des pierres et dedans, il y avait quelques stèles qu'on a identifiées et en fait, un grand remplet de fouilles. Voilà, donc, en 2021, l'état du sondage. En fait, il reste un petit espace entre le rocher, le substrat de calcaire, et les citernes construites en 195 pour agrandir la cour. Voilà les citernes. Là, vous avez la citerne 2, la citerne 3, et le portique avec deux autres citernes et un puits pour prendre l'eau. Donc, petit à petit, nous avons agrandi le sondage en fonction des couches vues dans les coupes. Plusieurs stèles ont été remployées, donc le sondage fait apparaître deux caniveaux qui conduisaient l'eau des portiques vers les citernes et plusieurs stèles sont remployées comme couverture de ces caniveaux et également la fondation de la citerne 5. Donc ça, c'est une découverte du mois de novembre. Voilà une vue 3D pour vous montrer les restes de l'air sacré. Les stèles étaient placées contre le rocher et installées sur certains replats. La fouille d'octobre-novembre a mis en évidence une stratigraphie en place entre le rocher et le stylobate nord du sanctuaire et le caniveau nord de la cour. Donc, c'est un espace très réduit, mais qui a livré plusieurs urnes en place. Les autres urnes, nous allons voir le plan général. Près de la citerne 2, donc nous avons découvert trois urnes, dont deux étaient recouvertes par une stèle latine. Trois stèles en place qui recouvraient trois urnes, une urne dans une cavité et une stèle en place avec une urne devant et une urne cassée non loin. Et cette zone a été découverte lors de la dernière campagne entre octobre et novembre. Voilà la stèle latine sur laquelle Sonia reviendra, qui cachait en fait deux urnes. Donc, cette stèle a été sans doute déplacée lors de la construction de la citerne
et à notre avis, elle n'a pas de lien avec les urnes inférieures. Voilà, donc sous la fondation de la citerne, deux urnes scellées, donc avec un comblement dont vous parlera Solène et Frédéric dans la deuxième intervention, et une troisième un peu éloignée. Donc ces stèles ont été étudiées par Tomo Mukai, Michel Bonifay et Fatma Haddad, et plusieurs types ont été définis, donc notamment le type le plus ancien A1 avec des variantes A2. De l'autre côté, donc sous le, près du rocher et sous le caniveau sud de la cour, en fait, les anciens fouilleurs avaient laissé une butte stratigraphique avec trois stèles en place qui recoupaient des urnes. Donc la fouille a montré des urnes couchées, fermées par un bouchon de chaux, et avec deux types A3 et B. En nettoyant bien la paroi, une urne était placée donc, dans une infractuosité du rocher, et le type, c'est le type B, défini donc, par les céramologues. En élargissant un petit peu la berme, une couche chandreuse reposait sur le rocher, et en coupe, nous avions aperçu la stèle. Donc, nous avons élargi le sondage, et la stèle était placée contre le rocher, avec devant une mensa et l'urne complètement en avant. Donc, l'urne était calée par ces pierres et directement posée sur le substrat. Il y a un petit aménagement du rocher. La couche de destruction qu'on a vue sur la photo précédente contenait beaucoup d'angantaria. En plan, on voit plusieurs angantaria sur cette photo. Et pareil, plusieurs groupes ont été définis, un groupe A avec plusieurs variantes et un groupe B. Les comptages ne tiennent pas compte en fait de la campagne 2021. Le matériel a été inventorié et étudié, mais les comptages ne sont pas encore définitifs. Donc, je reviens sur la zone fouillée, qui se divise en deux secteurs. Un secteur où on a trouvé pas mal d'urnes en place, debout, calées contre le rocher ou par des pierres, reposant sur une mince couche d'argile et directement aussi sur des blocs de pierre. Et une urne complètement isolée, puisque la zone à cet endroit était perturbée. En revanche, de l'autre côté, on a une couche avec des fonds de cruches et des angantaria et des vases tournés posés sur le côté. Alors, un aperçu des urnes. On n'a pas pu laisser toutes les urnes en place puisqu'on avait des visiteurs indésirables sur le chantier. Donc, il fallait démonter assez vite dans la journée. Mais donc, c'est la zone où nous avons trouvé les trois urnes dans la couche cendreuse. Et puis, deux urnes trouvées dans une structure, à l'intérieur d'une structure protégée par des pierres, avec un sédiment plus fin. Donc, quelques aspects de la situation de ces urnes en place et quelques cruches, fonds de cruches ou petits vases couchés
qui ont été étudiées par Solène et Frédéric. Donc la typologie des cruches de 2021 examinée par Tomo Mukai ne change pas la typologie. On a également du matériel associé, notamment beaucoup de parois fines, et la datation est toujours à peu près du 1er siècle après, jusqu'à 80 après. Voilà la typologie faite sur les urnes trouvées entre 2017 et 2019. Et dans la fouille de 2021, pour la première fois, nous avons trouvé du matériel dans plusieurs couches qui montre l'existence d'une fréquentation plus ancienne du site, notamment des 3e, 2e siècles, avec une lampe tournée, en céramique tournée, de type hellénistique, qui ressemble en fait à l'une des lampes trouvées à la Basina, le monument funéraire de la nécropole du Nord-Ouest, qui est également datée par le matériel associé qu'on a publié dans le dossier d'Antiquité africaine en 2020. Donc on a de la céramique à vernis noir, de la campanienne en fort punique et drécellin, et de la céramique modelée. On espère que on aura d'autres niveaux en place sous le remblai des fouilles antérieures, et aussi reprendre le sondage près de la citerne 2, où on avait trouvé 3 urnes en place et on avait arrêté pour éviter toute perturbation. Maintenant, Sonia vous présente les stèles. Merci, Madame Véronique. Dans notre étude sur l'ère sacrée de Balamon Saturne de Doga, paru dans Antiquité africaine 56, 2020, les caractéristiques des stèles datées entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ ont été décrites selon leur disposition, leur technique et leur thème iconographique. Nous présenterons ici une nouvelle approche de l'iconographie des ex-voto portant sur la peinture, souvent signalée mais qui n'avait jamais fait l'objet d'un examen approfondi, et nous signalerons l'apport de la polychromie à l'analyse iconographique. 29 stèles et fragments sur 188 découvertes au cours des fouilles exécutées entre 2017 et 2021 présentent une peinture qui apparaît à l'œil nu sur la face antérieure, limitée à la couleur rouge et à ses nuances. Cette couleur est également visible sur les stèles des collections anciennes du sanctuaire dont nous dressons le catalogue. Cependant, l'analyse à travers l'observation sous UV et la vidéomicroscopie a montré la présence d'autres couleurs utilisées dans la composition iconographique invisible à l'œil nu. Pendant la campagne de novembre 2021, Elisabeth Taneri a examiné cette stèle qui ont été sélectionnées d'une part selon leur disposition dans la fouille stratigraphique en connexion avec des urnes, d'autre part selon la présence d'une inscription néopunique ou latine ou l'inachèvement de la stèle. Ce sont les critères archéologiques et chronologiques qui ont guidé notre choix pour tester la méthode. La polychromie a été mise en évidence sur cette stèle découverte in situ, debout, adossée au rocher. À l'œil nu, nous n'observons qu'une nuance de rouge sur un décor gravé de façon naïve dont nous constatons les irrégularités et les inclinaisons du trait, surtout au niveau des palmes et des pétales de la rosace. L'observation microscopique
sous UV, a montré une palette diversifiée, bien diversifiée et bien plus large par rapport aux couleurs visibles à l'œil nu, entre le rouge, l'orange ainsi que le jaune qui ont composé la finition picturale de la stèle. Celle-ci présente sur un fond jaune et des motifs rehaussés de rouge, orange et rose. Une autre stèle placée sur la même banquette stratigraphique que la première stèle n'avait pas montré des traces apparentes de pigmentation. Cependant, l'analyse à travers la microscopie a dévoilé une palette plus diversifiée que la première et une autre technique de colorer la face antérieure. En effet, le fond jaune a été appliqué pour remplir le triangle du signe de Tanit, qui est probablement cerné en bleu, dont il ne reste que des petits points sur le trait d'incision. Le disque du signe, bien anthropomorphisé, avec deux points percés en guise de yeux et un petit trait horizontal pour marquer la bouche, ainsi que les appendices et les palmes sont rehaussés de rouge. De point de vue de la technique picturale, nous pouvons la rapprocher de deux autres stèles épigraphes en cursive néopunique qui n'avaient pas montré de pigmentation à l'œil nu. La coloration a été appliquée directement sur la pierre sans couche de préparation. Sur ces deux stèles inscrites en néopunique, des pigments bleus cernent les figures. La décoration rouge est appliquée sur une autre stèle représentant au centre le signe de Tanit bien anthropomorphisé, deux trous de trépans en guise de yeux sont rehaussés de rouge, le nez représenté par un trait vertical et la bouche par un autre horizontal sont cernés de jaune. La barre du signe, limitée par deux appendices verticaux et colorés d'un jaune vif et saturé. Le croissant de lune est jaune pâle cerné en noir. Les deux stèles meublées par le signe de Tanit anthropomorphe sont rehaussées de la couleur rouge, surtout au niveau des yeux, ce qui conforme les parties anatomiques du signe par des couleurs brillantes, notamment le visage. Leur forme différente, leur technique d'exécution est bien distincte entre la gravure au trait et la technique en relief, en particulier le méplat, qui est même réalisé sur les palmes marquées par des V incisés, peuvent prouver que ce sont des produits issus de deux ateliers différents. Cependant, devant cette distinction au niveau de la technique de réalisation de décor, le thème iconographique général, le signe de Tanit, se voit analogue et appuyé par une technique de pigmentation presque identique marquant la figure humaine. Suivant l'évolution chronologique, le signe de Tanit qui suit les transformations vers l'anthropomorphisation est loin de s'identifier à ce signe sur cette stèle latine. Ceci peut être confirmé par la combinaison iconographique ainsi que par la polychromie. En effet, le symbole triangulaire correspond à l'autel de la scène sacrificielle et la guirlande sont pigmentées en noir et se détachent du fond jaune coloré. Les traits rouges sont tracés sur le cou du taureau, soulignent probablement les blessures qui rappellent l'acte sacrificiel. Les boutons de rosace et les fleurs de lotus sont aussi cernés de rouge de faible densité parce qu'ils sont placés sur un fond orange. Une couleur jaune pâle avec des rehauts en brun caractérise le bélier et le taureau. Le procédé technique de superposer les couleurs, et en particulier l'après jaunâtre et le rehaut rougeâtre, sur cette stèle et sur celle à décor naïf, deux stèles qui sont probablement le produit de deux ateliers différents au niveau des techniques d'exécution, de décor, du style et des thèmes iconographiques, nous laissent interroger sur l'utilisation de ces deux couleurs. Est-il en rapport avec leur abondance dans la nature et ou probablement en rapport de leur faible coût?
Nous pouvons en outre nous demander comment sont organisés les ateliers d'exécution et où se réalise le produit fini. Notons ainsi la découverte des bulles de pigments blancs et rouges dans la stratigraphie de l'air sacré en octobre 2021, ce qui rend nécessaire des approfondissements ultérieurs pour comprendre s'il s'agit des matières premières utilisées pour peindre les stèles, ouvrant des questions sur le lieu de la réalisation de la peinture. Au terme de cette recherche préliminaire, qui sera poursuivie en 2022 et validée par une analyse physico-chimique in situ et en laboratoire à Liège, nous pouvons dire que l'utilisation de la peinture sur les faces antérieures sur cet échantillon des stèles de Doga a montré deux techniques d'emploi. La première consiste en l'application directe sur la pierre, la deuxième est la pose de peinture sur un apprêt. Selon cette seconde technique, il existe deux catégories de stèles qui appartiennent à des périodes chronologiquement différentes. L'étude de la polychromie a distingué le signe dit de Tanit et sa symbolique humaine du signe comme un élément composant la scène sacrificielle dont la restitution picturale de la stèle peut renforcer l'acte commémoratif de monument. Ainsi, cette méthode permet de restituer et réévaluer l'iconographie des stèles car un élément nouveau et inattendu des couleurs variées en teintes se révèle et innove la lecture des images représentées. Les observations sur la technique de pose de la peinture offrent un nouveau marqueur des gestes techniques qui définissent le travail des ateliers tout au long de la période et de la fréquentation de l'air sacré. Toutes les stèles devraient très probablement être peintes et les traces sont conservées selon leurs conditions de conservation. Il est alors préférable de les envelopper dans un plastique à bulles. Ces résultats soulignent d'ores et déjà l'intérêt de cette enquête qui concerne d'un côté la technique pictorale à une période et dans une région pour laquelle nous n'avons pas des données connues, et de l'autre côté la culture visuelle et la réception de l'image dans un contexte rituel. Merci. Merci pour cette belle présentation. Et adesso è il momento della stessa equipe però che si occupa adesso dei resti ritrovati nello scavo. Quindi è il momento di Solène Delamina, Frédéric Poupon, Véronique Zec-Materne, méthodologie appliquée à la fouille des urnes et premier résultat de l'étude des ossements humains et fauniques de l'air sacré de Doga. S'il vous plaît. Bonjour, merci à tous de nous donner l'occasion de poursuivre cet exposé sur les résultats qui sont issus de la fouille donc dirigée par Samira Ounala et par Véronique Brocchi-Redé. Donc moi, je vous présenterai en effet les résultats issus de la fouille et de l'étude des urnes. Je prendrai tout d'abord la parole et puis après, je passerai la parole à Frédéric Poupon, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais qui est en visio et qui vous présentera les résultats également de Véronique Zec-Materne, carpologue, donc qui a étudié les restes brûlés à l'intérieur des urnes. Donc, pour rappel, pour faire suite à ce que vient de nous présenter Véronique, de notre côté, donc, il y a eu 20 urnes qui ont été découvertes entre 2019 et 2021. Et sur ces 20 urnes, nous avons pu en étudier 13. 9 viennent du secteur sud de la zone fouillée. Il y en a eu 9, mais comme vous pouvez le voir sur la reconstitution, donc les recollages qu'ont réalisés les 3 céramologues, nous en avons certes des complètes, mais en fait elles ont été récupérées soit entières, soit fragmentées, ce qui évidemment ne permet pas de faire les mêmes analyses au sein de l'urne. Dans cette zone-là, comme vous l'a présenté Véronique, ces 9 urnes étaient rassemblées dans 3 zones, hein, le long des murs qui n'avaient pas été trop perturbés par les fouilles antérieures.
Et puis en 2021, quatre autres urnes, nous avons pu les étudier, les autres ayant été découvertes après mon départ, dont une entière, l'urne 15 à gauche, une fragmentée, l'urne 12, qui n'a révélé que des ossements de faune. Frédéric vous en parlera. Et également, je vous présente aussi dans le secteur le plus au nord, où en effet, des urnes étaient, alors non pas cette fois-ci trouvées verticales, mais beaucoup plus horizontales ou en tout cas perturbées. Donc elles ne sont pas complètes, mais nous les avons étudiées. Elles n'ont pas tout à fait la même forme non plus, mais nous avons étudié comme si c'était des urnes et qui ont présenté, elles ont présenté des éléments assez spécifiques. Donc, pour la méthodologie appliquée à la fouille de ces urnes, c'est la même méthodologie que vous avez présentée hier, Henri Dudet. Je suis une de ses étudiantes, donc j'applique la même méthodologie. Donc, une méthodologie de fouille microstratigraphique, stratigraphique dans les urnes entières, avec, comme il vous l'a dit hier aussi, des strates qui sont fictives. En effet, vous pouvez voir les différents tracés. Donc, des niveaux entre 1 et 2 cm en fonction des urnes et avec des prises de vue zénitales à chaque niveau pour laisser des traces. Évidemment, cette fouille stratigraphique permet, comme il l'a dit, de pouvoir travailler sur la distribution verticale des eaux à l'intérieur des urnes, mais également nous offre aussi des informations d'ordre archéologique. Comme vous pouvez voir donc pour cette urne 9 ici, vous avez pu voir que en fait, vous pouvez voir que les ossements ont été retrouvés en fait uniquement collés contre la paroi de cette urne. Or, cette urne, elle a été découverte verticale au sein de l'area, ce qui signifie qu'à un moment donné, elle était disposée horizontalement, qu'il y a de la terre qui s'est infiltrée à l'intérieur, qui a maintenu les ossements contre ce bord-là, puis qu'elle a été relevée. Donc, la fouille de ces urnes permet d'avoir ce type d'information de réintervention au sein de l'area. Ces réinterventions, elles ont été visibles sur d'autres urnes, notamment par exemple sur l'urne 8 qui a été découverte juste à proximité, où en fait vous pouvez voir que l'urne a été bougée parce que donc ça c'est là c'est en place, là c'est quand elle a été prélevée. Donc en fait vous avez ici la moitié de l'urne hein, que vous pouvez voir ici qui a été recouchée horizontalement et le fond de l'urne a été placé sur la moitié donc de l'urne. Donc des réinterventions qui se réalisent. On est ici dans la partie supérieure. Il est vrai par rapport à Carthage ou au site de Motia par exemple, on est ici sur un secteur topographique totalement différent. Comme vous l'avez pu voir, hein, on est sur une zone qui est escarpée et donc ça pose des questions aussi justement sur les dépôts en fait. On ne pouvait pas forcément faire de fosses comme on pouvait le faire à Carthage. Donc à quel moment ils déposent, comment ils le font, est-ce qu'ils mettent de la terre au-dessus, etc. Donc ça, il y a toute une réflexion à mener là-dessus. Pour la stratigraphie, même si les urnes étaient fragmentées, il y avait parfois des petits morceaux où il y avait encore de la terre qui était présente à l'intérieur. Et donc, même si l'urne n'était pas complète, nous avons réalisé cette stratigraphie. Pour l'étude, donc tout le sédiment à l'intérieur des urnes ont été tamisés, donc soit par urne, soit par strate, en fonction de leur conservation, avec une maille 500 microns, avec tous les refus de tamis de moins donc de 500 microns, qui ont été prélevés pour l'instant pour éventuellement des analyses polliniques ultérieures sur certaines urnes, pas toutes, à tester. Ça sera discuté éventuellement plus tard. Sur ces tamis hein, donc de plus de 0,05 mm, un tri exhaustif a été réalisé entre les os humains, la macrofaune, la microfaune, les gastéropodes et éventuellement le mobilier. Entre 2 mm et 500 microns, un tri sélectif a été réalisé en fonction évidemment de l'intérêt où les os, les tout petits os des humains qu'on peut trouver comme les os de l'oreille interne, etc., ont évidemment été récupérés sur ces mailles-là.
En revanche, tout ce qui n'a pas été trié de manière sélective et manuelle, ces refus ont été conservés pour qu'elles puissent être, pour qu'ils puissent être étudiés par carpologues et anthropologues sur l'analyse des charbons, soit bois, soit graines. Pour chaque strate, idem, hein, les différentes études qui ont été réalisées sont celles que vous a présentées Henri hier. Donc la détermination, si possible, de chaque fragment, leur nombre, leur pesée par type d'os, dents ou partie anatomique, travailler sur l'âge au décès, les causes du décès, le nombre d'individus dans l'urne, l'intensité de la crémation, mais également le mode de prélèvement sur le bûcher. Ces données sont également intégrées dans les tableaux que vous, vous a présentés Henri hier, donc je passe. Pour les résultats préliminaires, ce qui est intéressant de voir, c'est que dès que nous avons commencé à faire la fouille, nous avons pu voir deux types de remplissages distants, différents. Entre, à gauche, des remplissages peu nombreux, enfin, vous pouvez voir l'urne ici, pardon, hop. Donc cette urne-là, par exemple, avec des ossements finalement qui ont été récoltés sur le bûcher et qui prennent peu de place, avec essentiellement des gros fragments, et d'un autre côté, des urnes où vous voyez des petits fragments d'ossements qui sont mélangés à du sédiment, avec des restes de charbon et de cendres. Cette urne-là est une des urnes spécifiques qui a été découverte donc, en 2021, où nous avons vraiment là de la cendre pure avec quelques micro-fragments osseux. L'étude des résultats, donc les résultats ont montré une même observation, c'est-à-dire que d'un côté des urnes avec des poids qui sont assez peu importants, des masses totales peu importantes qui varient entre 12 grammes et 41 grammes, on est loin des 120-150 grammes que vous a indiqué Henri hier pour les inhumés, mais avec un taux de détermination important entre 67 et 97 % en effet, parce que on a des fragments assez importants qui ont été et qui sont tout à fait déterminables facilement. Et de l'autre côté, des urnes où on a essentiellement des esquilles, des tout petits fragments. De même, les urnes avec les gros fragments, dans cela, on trouve très 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 peu de petits ossements, de type phalange, ossements de l'oreille interne, alors que de l'autre côté, nous allons avoir beaucoup plus de petits fragments. Par rapport à ce que vous a dit justement Henri hier avec les résultats de Carthage, on peut voir deux modes de prélèvement différents en fait sur Douga, avec d'un côté un ramassage manuel mais non exhaustif, avec pour l'instant en tout cas on ne semble pas avoir de préférence spécifique pour ramasser une partie du corps. Alors on n'imagine pas forcément prendre os par os, mais on peut imaginer de prendre une poignée et secouer par exemple la cendre et le mettre à l'intérieur de l'urne, et il reste encore un peu collé de la cendre, du charbon, mais on n'a pas l'impression que ce soit que les os soient complètement lavés. Et par contre de l'autre côté, plutôt un curage des résidus du bûcher, donc ce qui n'a pas été prélevé de manière manuelle. Ce qui pose question, parce que dans ces cas-là, ça voudrait dire que dans la même enceinte, dans le même lieu, nous pourrions avoir deux urnes, mais pour un seul individu. C'est-à-dire d'un côté, nous avons le ramassage, on met dans une urne et on le dépose dans le sanctuaire, et de l'autre côté, les résidus du bûcher qui sont aussi mis dans une urne, mais cette urne est aussi placée à l'intérieur du sanctuaire. Et un autre problème, justement, au niveau du nombre minimal d'individus, c'est-à-dire donc deux urnes avec un seul individu, mais comme à Carthage, nous avons trouvé des urnes avec plusieurs individus. Majoritairement, il s'agit d'un seul individu, en tout cas ce que nous, on peut voir au niveau anthropologique, mais deux urnes montraient des individus, enfin, en tout cas deux os surnuméraires, donc avec les restes d'autres individus. Donc, ayant fait cette constatation, des recherches de liaisons anatomiques entre les différentes urnes ont été testées. Nous avons commencé à travailler sur les urnes qui étaient placées évidemment à côté, ce qui était normalement le plus logique. Donc, dans ces secteurs-là, pour l'urne 8 et 9, pourtant, nous avons vu qu'il y avait des doublés, donc ça ne pouvait pas être le même individu. Donc, il y avait bien un individu différent dans chaque urne. Ce secteur-là étant intéressant parce que vous avez ici cette
cette urne-là avec le cas du ramassage manuel et juste à côté le cas du ramassage des résidus du curetage du bûcher. Nous avons fait les mêmes recherches de liaisons anatomiques dans l'autre secteur, entre l'urne 1, 2, 3 et 4. Et pareil, donc cette urne-là, qui est le ramassage manuel des ossements, il n'est pas possible que ces os-là appartiennent à l'autre, parce que nous avons aussi un doublé de grandes ailes de sphénoïde gauche. Ce qui est intéressant de souligner quand même, c'est que cette urne-là, qui contient les résidus, donc ce que je suppose être les résidus du bûcher, se situent sous une urne, en tout cas en lien directement avec une stèle. Enfin, pour l'intensité de la crémation et la conduction du bûcher, donc comme vous pouvez voir pour cette urne 7, nous avons quand même des ossements qui sont finalement parfois peu fragmentés, donc un bûcher qui est peu conduit. On sait que les os se fragmentent facilement lorsque l'on remue les os lors de la crémation. On a des fissurations en ondes concentriques qui montrent un bûcher qui peut être une température assez élevée, mais comme vous pouvez le voir, une chaleur qui n'est pas homogène sur l'ensemble du bûcher, avec ici la partie gauche du corps qui a été beaucoup plus brûlée que la partie droite qui présente une coloration plus brune. Au niveau de l'âge du décès, on est, comme ce que l'on trouve surtout à Carthage, entre 8 mois avant la naissance et 1 mois, 2 mois après la naissance. Nous n'avons pas trouvé de cause de décès d'anomalie létale et tous ces enfants sont plutôt viables. On a un cas qui est peut-être 7 mois in utero, donc là on serait vraiment sur la limite, mais là il faut aller un petit peu plus loin, on est sur un os mais qui a été vraiment beaucoup brûlé, donc là avec la rétractation osseuse, bon, le reste des ossements permet plutôt de s'approcher d'un âge autour de la naissance. Et puis, que dire des autres dépôts sur le bûcher? Je vais passer la parole à Frédéric Poupon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il y a eu du mobilier qui a été déposé sur le bûcher lors de la crémation, il n'a pas été prélevé. Par exemple, si une lampe a été déposée sur le bûcher, dans tous les cas, ils l'ont laissé de côté, ils ne l'ont pas mis à l'intérieur, sauf de la faune et des restes de graines qui, lui, est beaucoup plus évidemment difficile à discerner et donc on ne va pas faire le tri directement. Une seule exception, un jeton en os que l'on a retrouvé et qui était brûlé. Et Frédéric, je te passe la parole. Merci, Solène. Merci, Solène. Alors, concernant la faune, donc 11 urnes qui ont livré des restes de vestiges animaux. 10 ont été étudiées et une est actuellement en cours, celle dont vous a parlé Solène, l'urne 12 qui a uniquement livré des restes d'animaux. Donc, comme on l'a étudié, on a commencé à l'étudier en fin de notre séjour, j'ai fait un montage rapide pour déjà vous en toucher quelques mots dans cette présentation. Alors, dans ces urnes, le nombre d'os est très variable. Hein, ça va de 2 à 145 fragments osseux. Sur le petit diagramme en bas, on voit que une majorité de ces ossements sont brûlés. Alors, contrairement à ce qu'on a pu voir hier à Carthage, quand ils sont brûlés, ces ossements sont brûlés. C'est-à-dire qu'ils sont tous de couleur gris. Bleuté à très blanc, et ce qui fait que le matériel est très fragmenté, puisque quand j'ai par bonheur des morceaux qui font 2 cm, c'est génial, parce que je n'ai pas de plus gros fragments, 2 cm c'est une minorité, après on est plus autour de fragments de 5 mm et 1 cm. Et donc contrairement à Carthage, on n'a pas d'os partiellement brûlé, légèrement carbonisé, c'est vraiment très très brûlé. En dehors de ces eaux brûlées, dans ces urnes, on va retrouver quelques os non brûlés, il s'agit notamment de rongeurs et d'anours. Alors les anours, c'est des familles des grenouilles, crapauds. Ces restes de rongeurs et d'anours, en général, ils sont dans les premiers comblements, enfin premiers niveaux de comblement de l'urne, au niveau du col, plus près du col que du fond. Et puis on a également des esquilles indéterminées, et surtout des restes de caprinés qui n'ont pas brûlé. Tous ces ossements ont vraisemblablement une origine
intrusive. Je reviendrai dans une seconde partie de mon exposé, justement ces restes de caprinés non brûlés. Diapo suivante. Solène. Solène. Diapo suivante. Diapo suivante. Voilà, merci. Alors les restes brûlés. Alors les restes brûlés au sein de ces urnes. Précédente. Précédente. Voilà, merci. Voilà, merci. Donc, concernant les, les restes brûlés au sein des urnes, lorsque nous avons pu déterminer ces ossements de 1 à 2 cm, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une majorité d'os de caprinés. La fragmentation fait que il a été d'essayer de déterminer si on a plus affaire à du mouton ou de la chèvre. Et puis parmi ces restes de faune brûlée, on trouve quelques os d'oiseaux. Alors là, pareil, la taille des diaphyses ne correspond pas forcément à des passeriformes, mais plus des os d'oiseaux de plus grande taille qui pourraient correspondre à des oiseaux de basse-cour, de la volaille. Alors peut-être de la poule, du canard, enfin ce genre d'animaux qu'on trouve encore dans l'eau. La fragmentation ne nous a pas également beaucoup aidé pour déterminer l'âge de ces animaux. Alors, ce qui est sûr, c'est que d'après certains ossements, on a affaire à des jeunes agneaux chevreaux de moins d'un an. Dans quelques urnes, on a réussi à préciser un peu ces âges. Alors, notamment l'urne 12, qui a uniquement livré les restes d'un animal, correspond donc à un jeune agneau ou chevreau qui est âgé entre, on va dire, la naissance et moins de 3 mois. Dans l'urne 5, nous avons un radius proximal non épiphysé, qui appartient à un sujet de moins de 3 mois. Et dans l'urne 2, nous avons également une épiphyse proximale. Voilà le nouveau-né. De temps en temps, on trouve également des restes osseux correspondant à des sujets plus âgés, c'est-à-dire subadultes et adultes. Donc c'est le cas de l'urne 2. Où, associé effectivement par exemple à cet os de possible nouveau-né, on constate que nous avons notamment des phalanges 2 qui appartiennent à des sujets plus âgés, notamment parce que celle-ci elle est épiphysée. Nous avons la même chose effectivement pour les os sésamoïdes, on a vraiment deux tailles différentes, celui-ci appartient à un jeune sujet, celui-ci à un sujet plus âgé. Donc hormis cette urne où on peut déduire la présence d'au moins deux individus, pour les autres urnes, on a au minimum un animal, tout en restant prudent, parce que effectivement, c'est ce que je vous expliquais, les os sont très fragmentés, donc un minimum, on a un capriné dans chacune de ces urnes. Ce qui est assez intéressant dans ce tableau, c'est que l'on peut déjà voir qu'il y a plusieurs cas de figure. On a des urnes avec uniquement des restes de caprinés, d'autres uniquement des restes d'oiseaux, comme dans l'urne 4, d'autres urnes comme l'urne 6 où on a quelques restes de caprinés et quelques restes d'oiseaux. On va maintenant plus s'intéresser justement à ces urnes où l'on va retrouver des restes de caprinés associés notamment à des os humains. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, on a trois cas de figure concernant les caprinés. Déjà, une majorité d'urnes où aux os humains ne sont associés que 1 à 3 fragments d'os de capriné. Donc là, on peut se poser la question d'une collecte résiduelle de ces ossements de capriné qui serait peut-être issue de crémations précédentes et qui aurait été introduit au moment de la mise en urne des restes du défunt. On a ensuite un deuxième cas de figure qui concerne 3 urnes où là, à des os humains, on a une dizaine, voire une vingtaine de fragments osseux de capriné qui sont associés. Comme vous pouvez le voir dans ce petit tableau, on constate que toutes les régions anatomiques sont au moins représentées par un fragment, voire plus. Mais, contrairement par exemple à l'urne 1 et 5, où on arrive à restituer un squelette humain, à partir de ces quelques os, qui sont très fragmentés, on est dans l'impossibilité de restituer le dépôt d'un squelette animal. Alors, cette fragmentation plus importante des os animaux par rapport aux os humains pose encore la question de la résidualité. Est-ce qu'on a affaire à une collecte résiduelle de ces os d'agneaux ou de chevreaux? Ou ça pose également la question, si on avait un animal complet, est-ce que finalement on ne peut pas avoir affaire à des dépôts
par exemple sous forme de pièces de viande. En fait, il y a une autre hypothèse qui est moins probable, qui serait une collecte moins soignée des os d'animaux par rapport aux os humains. Mais bon, c'est fortement moins probable. Ce qui est assez intéressant, en tout cas, c'est comparé à d'autres trophées, notamment, je pense à Taros, lorsque l'on regarde l'article de Fedele et Foster, ils précisent bien qu'à chaque fois que des os animaux sont associés à des os humains, et ben les squelettes animaux sont très incomplets. Et enfin, le troisième cas de figure, c'est l'urne 12, donc là où on a effectivement aucun reste humain, mais par contre, les restes brûlés d'un agneau chevreau quasi complet, âgé de moins de 3 mois. Donc là, on a bien la collecte quasi intégrale des restes de l'animal sur le bûcher. Alors, diapo suivante. Non, voilà, merci. Alors, que conclure de ces urnes ? Donc déjà, l'observation de l'association d'os humains et d'os animaux, bah, elle confirme un peu la persistance de pratiques rituelles pré-romaines dans le courant du 1er siècle. Mais par contre, voilà, on peut se poser encore de nombreuses questions sur notamment là où les modalités de constitution de ces dépôts. Hein, notamment la fragmentation différentielle entre les os humains et les os animaux pose la question de l'origine de ces os animaux. Hein, est-ce que c'est des os résiduels, des dépôts de quartiers de viande, voilà. En tout cas, lorsqu'on voit la meilleure conservation des squelettes animaux déposés dans une urne tout seul, et qu'on voit la conservation des restes animaux associés aux os humains, on peut vraiment se poser des questions. En ce qui concerne justement ces urnes qui comprennent uniquement un squelette d'enfant, comme par exemple l'urne 15, ou uniquement un squelette d'agneau ou de chevreau, comme l'urne 12, eh bien on peut se poser également la question d'actes différés, notamment liés à la saisonnalité des agnellages. Hein, puisque si on part du principe d'animaux tués peu de temps après la naissance, ça implique forcément un rite qui a lieu au moins une, voire deux fois par an. Néanmoins, la présence d'urnes avec uniquement les restes d'un squelette d'enfant peut poser justement, enfin peut montrer qu'il y a pu y avoir effectivement un rite en dehors de ces périodes d'annelage. Et on peut se demander si le fait de retrouver des urnes uniquement avec les restes d'un jeune agneau ou chevreau ne peut pas être un dépôt ultérieur. Hein, faut imaginer l'enfant qui pourrait être crématisé en dehors de cette période d'annelage, donc il n'y a pas d'agneau à disposition. Par contre, plus tard, on peut redéposer un agneau tout seul dans une urne. Donc c'est une hypothèse qui mérite d'être approfondie et qu'il faudra confirmer, notamment en regardant la spatialisation notamment de ces urnes avec uniquement des enfants et ces urnes uniquement avec des agneaux, sachant que là sur Aduga, l'urne 15 et 12 sont quand même assez proches. Alors revenons sur les os non brûlés dans les urnes, puisque je vous ai dit qu'il y avait quand même pas mal de restes de caprinés, et donc on peut s'interroger également sur leur origine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les US aux alentours de ces urnes ont livré un important corpus de restes fauniques. Actuellement, nous sommes à 1771 restes, dont 961 restes ont pu être déterminés. Alors ces US, elles sont soit associées à des urnes ou ensembles d'urnes, mais il peut également s'agir d'US, par exemple, de destruction, mais aussi de probables sols. En tout cas, ce que l'on constate, c'est qu'il existe une grande homogénéité dans la constitution de ces assemblages fauniques. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'à l'instar du contenu des urnes, on a une fois de plus une majorité d'os de caprinés, puisque dans ces différentes couches stratigraphiques, ça représente plus de 90% des restes déterminés. Par contre, contrairement aux urnes, on constate qu'on a une diversité des taxons qui est beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'à côté des restes de caprinés, on va retrouver des restes de bœufs, de porcs, de coqs,
La petite surprise de cette année, ce sont les restes de poissons qui ont donc motivé le prélèvement de plusieurs litres de sédiments qui seront traités l'année prochaine et à partir de quels on pourra essayer de voir si effectivement on a des quantités de poissons un peu plus importantes, essayer de déterminer quelles sont les espèces présentes, s'il s'agit de poissons frais, de saumures, etc. Autre surprise, alors il n'y en a pas beaucoup, il y a deux fragments de coquilles d'œufs d'autruche. Donc là, ça reste assez énigmatique. Est-ce que ça a été consommé? Ou est-ce que, à l'instar de périodes plus anciennes, on a affaire à des œufs décorés d'autruche qui auraient été déposés dans le sanctuaire? Donc ça, ça reste assez. Pour le moment, on n'a pas d'idées sur. Enfin, de réponse à la présence de ces coquilles d'œufs. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, lorsque l'on regarde ces restes de caprinés non brûlés issus de ces US aux alentours des urnes, on constate que contrairement aux urnes, on a une majorité de sujets subadultes adultes. Alors, on a quelques restes dentaires qui permettent de montrer la présence d'animaux qui ont été élevés pour leur viande, hein, ces animaux abattus entre 1 et 2 ans ou entre 2 et 3 ans. Et puis, on a également la présence d'animaux plus vieux, hein, au-delà de 4 ans, c'est-à-dire des animaux qui, dans un premier temps, ont servi pour la production de lait ou de laine, et qui, à la fin, ont été abattus pour être finalement consommés. Par contre, effectivement, on s'aperçoit que les os d'agneaux ou de chevreaux sont ici, dans ces US alentours, très minoritaires, puisqu'on a seulement une cinquantaine d'ossements. Autre particularité, c'est-à-dire que ces restes de sujets âgés sont très peu brûlés. Par contre, les restes d'agneaux, effectivement, on constate que près de la moitié de ces ossements sont brûlés. Si on regarde les os brûlés chez les sujets les plus âgés, comme l'on voit dans ce petit tableau, on constate qu'il s'agit principalement des os des pieds. C'est-à-dire que si on regarde, alors ça c'est sur l'ensemble des ossements, hein, c'est pas par US, hein, mais si on regarde sur les têtes, rachis, côtes, membres, on s'aperçoit qu'on a entre 1 et 5% d'os brûlés, alors que sur les os des pieds, c'est plus des deux tiers des os des pieds qui sont brûlés. Alors certes, on a un nombre très réduit d'os de pieds, mais c'est quand même assez flagrant. Diapo suivante. Alors, la distribution anatomique des restes de ces caprinés subadultes, adultes, on voit qu'on a un rejet préférentiel de côtes en vert et de membres en mauve, au détriment d'autres parties telles que la tête, le rachis et plus particulièrement des pieds, qui représentent à chaque fois moins de 3% des restes. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on constate qu'il y a une distribution vraiment très homogène entre ces différentes US. Sur ces ossements, on a également pu observer de nombreuses traces de découpe. Donc là, de gauche à droite, on a différents ossements de caprinés. Donc à l'extrême gauche, on a une diaphyse distale de radius de caprinés qui est sectionnée, ici. Au milieu, nous avons des fragments de côte qui ont été tronçonnés en portions de 5 cm. Donc ces radius et ces côtes illustrent la mise en quartier des carcasses de moutons ou de chèvres. Et puis à droite, vous voyez une diaphyse de fémur de capriné avec une fine incision qui montre que la viande a été prélevée. Donc là, très concrètement, on a effectivement dans ces US, aux alentours des urnes, on a affaire à des rejets de préparation et de consommation de ces animaux. Diapo suivante. Voilà, alors que conclure de ces vestiges fauniques non brûlés autour des urnes? Alors très clairement, on peut imaginer que l'on a affaire à des reliefs de repas pris dans le cadre justement des pratiques culturelles inhérentes au toffé. Le déficit et la crémation préférentielle des os des pieds des caprinés les plus âgés évoquent une notion de partage, ce qui pourrait expliquer donc le déficit marqué de ces pièces osseuses, puisque détruites par le feu, effectivement, il y en aurait sans doute beaucoup moins qui nous seraient parvenues.
Et ça pourrait également expliquer pourquoi, alors ça c'est à partir d'une seule urne, hein, il faudra étayer l'hypothèse hein, en étudiant les prochaines urnes, mais ça pourrait expliquer pourquoi on retrouve des restes de pieds de sujets plus âgés au sein des urnes qui contiennent principalement des restes d'agneaux et de chevaux. En tout cas, ce que l'on constate à chaque fois, c'est une opposition très nette entre le contenu des urnes et des US alentours. Ce qui est résumé un peu dans ce petit tableau, hein, on s'aperçoit que si on a une majorité de restes de caprinés aussi bien dans les urnes que dans les US alentours, on constate des différences, notamment dans la diversité des taxons, qui est moindre dans les urnes, mais plus importante dans les US alentours, que dans les urnes, on a une majorité de jeunes, alors que dans les US alentours, on a une majorité de subadultes adultes. Dans les urnes, forcément, on a une majorité d'os brûlés, et dans les US alentours, une majorité d'os non brûlés. Et si l'on regarde ces os brûlés, on constate que dans les urnes, toutes les parties anatomiques sont concernées, alors que dans les US alentours, on a principalement les os des pieds. Donc à la fois dans ces urnes et dans ces US alentours, on a une opposition, mais en même temps des choses un peu complémentaires. Donc il faudra continuer à creuser lors des prochaines campagnes. Diapo suivante. Alors là, je vais changer de casquette. Hein. Je vais vous présenter l'étude carpologique qui avait été réalisée par Véronique Zeck-Materne. Donc, 8 urnes ont livré 99 restes carpologiques, ce qui est quand même assez important. La majorité correspond à des petits fragments de matière organique non identifiée, qui correspondent sans doute à des produits céréaliers transformés, de type pain et galette. C'est ce que l'on voit notamment sur la photo, le détail sur la photo de droite. Et on peut également avoir des fragments de chair de fruits charnus. C'est la photo à gauche. Donc, la majorité de petits fragments, on a également quelques restes d'espèces cultivées ou cueillies, c'est-à-dire de la figue, de la noisette, de la lentille, et une céréale indéterminée. Elle figure à n'importe quel niveau du comblement des urnes, hein, ce qui montre bien que voilà, on a pris ce qu'il y avait sur le bûcher, on a déversé dans l'urne. Et ça ne respecte pas voilà, une certaine logique de remplissage. Et donc le déversement des cendres entraîne visiblement leur présence de ces restes carpologiques à différents niveaux. Alors, ces quelques résultats carpologiques témoignent à minima de la pratique de l'offrande végétale dans le processus de traitement des corps et lors de la crémation des défunts. Et ils semblent donc assez cohérents avec les pratiques observées par ailleurs lors de la crémation, dans le monde romain, pardon, où les produits alimentaires constitués d'une base céréalière, les fruits, les noix et les légumineuses constituent des denrées qui sont effectivement fréquemment mises en évidence dans les résidus de bûchers, aussi bien par exemple en Italie que dans les provinces les plus éloignées. Je vous remercie, je laisse Solène conclure cet exposé. Merci. Oui, donc pour faire une conclusion générale et des perspectives d'études, attends, je vous rends ça parce que je m'entends parler. Donc oui, on peut voir en effet une persistance des pratiques rituelles pré-romaines avec la présence de périnatales à l'intérieur des urnes qui ont été brûlées, périnatales qui sont décédées donc, autour de la naissance, dans certaines urnes des humains et de la faune, ou dans certains cas que de l'humain, que de la faune, comme vient de dire Frédéric, et puis avec le différent mobilier que vous avez présenté Véronique, avec les stèles, etc. Pourtant, on voit quelques différences.
Pardon ? Ah, pardon, excusez-moi. On voit également des différences de modalités de constitution des dépôts, contrairement à ce qu'on a pu voir à Carthage, avec par exemple une fragmentation, une représentation différentielle entre l'humain et la faune, en effet avec la faune très fragmentée et peu présente, et alors que l'humain, lui, est bien conservé. Un ramassage manuel non exhaustif avec un dépôt dans l'urne, et après un autre curage qui lui aussi n'est pas exhaustif car on retrouve des os surnuméraires à l'intérieur d'autres urnes et que ces résidus de bûcher, en tout cas dans certains cas, ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois évidemment ça a été mis dans une urne, hein, mais en tout cas on a quelques urnes qui le prouvent, qui sont aussi également déposées dans les sanctuaires. Donc il est certain que ces différentes modalités de dépôt, il faut continuer à les décrire, les caractériser en poursuivant la fouille et l'étude des urnes qui ont été découverts en 2021 et nous espérons les prochaines. Évidemment, la recherche de liaisons osseuses entre ces différentes urnes seront également réalisées sur l'ensemble du secteur. Enfin, nous avons pu voir donc, des déplacements secondaires des urnes, et c'est vrai que le nouveau secteur qui a été aussi découvert cette année vraiment nécessite de revenir sur cette question du dépôt des urnes à partir du moment où on a enfin mis les ossements à l'intérieur, comment on va les déposer, parce que vous avez pu voir que la géologie du terrain fait que nous ne sommes pas sur quelque chose de plat, et donc ça nécessite de réfléchir justement à toutes ces constitutions de dépôt, à quel moment on va les installer, à quel moment on va mettre la stèle, etc. On va revenir, on va retourner. Donc là, il y a vraiment une réflexion à faire, mais vous avez pu voir que le sanctuaire a eu plusieurs phases, et donc c'est pas une lecture facile. Enfin, nous avons pu voir donc une évidence de repas pris au sein du sanctuaire et donc une nécessité d'utiliser les eaux en dehors des urnes. C'est pourquoi nous avons fait ces importants prélèvements de sédiments aux alentours des urnes qui sera étudié. Et donc, nous allons faire également des tris sélectifs avec aussi tout ce qui contient donc le poisson, la faune, mais également les restes humains, la carpologie, l'anthracologie. Et donc, cette mise en évidence des autres restes, il va falloir la poursuivre pour caractériser de mieux en mieux tous ces dépôts, que ce soit autour du bûcher, lors des cérémonies ultérieures, et pour caractériser au mieux tous ces gestes qui ont été réalisés dans le cadre de ces dépôts. Je vous remercie. Au revoir. Merci, grazie per questa immersione dentro Dugga. E adesso tocca al collegamento con Maria Giulia Madasi. Siamo un po' in ritardo. E fai tu, Bruno? No, dovrebbe essere ecco, io ci sono. Sento la tua voce alle mie spalle. Il titolo della comunicazione è Un formulaire votif a Einnechma Guelma. Quindi noi ti vediamo, Maria Giulia. Sì, io molto, vi vedo. Molto da vicino. E passa la langue. Carica il PowerPoint. La française. Je remercie beaucoup les organisateurs, et en particulier IMED, qui m'a permis de présenter mon texte d'ici, et malheureusement pour un inconvénient, je n'ai pas pu venir en personne. Et donc je serai très brève. À la suite d'un séjour en Algérie en 1952, où il donna des cours sur l'histoire de l'islam, Giorgio Levi della Vida, un sémitisant et islamologue italien bien connu du siècle dernier, donc Levi della Vida a reçu, après ce voyage en Algérie, en 1957, de Jean Lassus, à l'époque directeur des Antiquités d'Algérie, quelques photos et dessins de stèles, toutes inscrites en néopunique, à l'exception de trois fragments en épigraphe. Cet envoi faisait suite à un projet de publier les inscriptions néopuniques
préservée dans le musée de Guelmin à l'occasion de la rédaction d'un nouveau catalogue du musée de cette ville, catalogue qui ne vit jamais le jour. Dans un article dédié à Sergio Ribichini, j'ai repris l'étude de deux de ces stèles venant, l'une du Tophet de Guelmin, l'ancienne, l'antique Calama, l'autre de celui d'Ain Nechma, l'antique Tabarbousis, voisin très proche de Guelmin, qui était en partie déjà connu. Il m'a paru avoir reconnu dans l'une d'elles un formulaire très simple, mais peu clair et inusuel, qu'il me semble intéressant de discuter ici en le comparant au texte très abîmé dans leur ensemble présent sur les autres stèles, sur les autres photos envoyées à l'Evi della Vida. Donc, comme je l'avais rappelé dans l'article pour Ribichini, les photos et la correspondance entre Lassus et l'Evi della Vida, le père de ma mère, sont préservées parmi la correspondance adressée à ce savant qui est resté dans ma famille. Donc la stèle, la première stèle, la suivante, oui, celle-ci, j'ai cru pouvoir identifier ce formulaire étrange sur une stèle venant de Ain Nechma qui avait été photographiée dans le théâtre de ce site en 2005 par Andy Wilson et dans le texte inédit dans son ensemble, sauf la dédicace qui avait été lue déjà par Bruno D'Andrea, m'a posé quelques difficultés quant à son interprétation. Le texte donc pourrait se traduire au seigneur Baal Amon de Siga, le vœu, puisse-t-il bénir le fils ou les fils d'eux, et suivi d'un nom propre qui n'est pas lisible avec certitude. Au-delà de la question de la dédicace inusuelle au bal de Siga, c'est la formule du vœu qui paraît unique, car à la place du nom du dédicant, il semble y avoir une requête de bénédiction pour un fils de, éventuellement des fils de, suivi par un nom propre. Donc, l'explication de la forme verbale, une forme du verbe barak, bénir, si le partage des mots et la lecture sont exacts, est un inaccompli à la troisième personne du singulier, suivi soit du pronom suffixe de la première personne du singulier, puisse-t-il, sujet le Dieu, me bénir, ou bien nous bénir, ou bien simplement un inaccompli au mode énergique, toujours à la troisième personne du singulier. Donc, puisse-t-il bénir, plus le mot ben, fils, plus le nom propre. C'est cette dernière explication que je préfère, mais une difficulté est que, jusqu'à présent, en phénicien, ce mode énergique se terminant par na n'est attesté qu'une seule fois à la première personne de l'inaccompli. Une deuxième stèle dont la photo et le dessin avaient été envoyés à l'Evi della Vida était en réalité déjà bien connue. Voilà la reproduction dans le livre de Lassus, il me semble, sur ou de Leschi. En tout cas, cette stèle avait été publiée déjà dans le répertoire d'épigraphie sémitique et elle fut reprise par Chabot dans son étude des inscriptions de Guelmin sous le numéro 39 et réétudiée ensuite par Jongling. L'origine de Ain Nechma est rapporté en réalité par Chabot, même s'il l'appelle Guelmin 39, et avait été déjà communiqué par Gauclair à Berger, le premier à faire connaître l'inscription. La traduction donnée par tous les éditeurs était Tabarkat,
Ptolémée, fils de Arich. Donc, le premier terme aurait été un nom propre. Oui, voilà les photos de Larry de la Vida. Ah bien, regardez, la dernière lettre du premier mot paraît un nun différent du tau qui précède, dont le court trait supérieur dépasse la verticale vers la droite et vers la gauche. Le texte serait donc à lire avec un nun final, donc ti brokna bat. Fille, mieux que Ben, fille d'Arich. Donc, et d'ailleurs, le nom propre Tabrakat n'est jamais attesté ailleurs. Donc, si la lecture proposée ici est correcte, il y aurait à nouveau, dans ce cas, le formulaire précédent, mais avec le verbe à la deuxième personne du singulier. Puisses-tu bénir, suivi encore une fois par la mention inusuelle d'une fille ou fils de Arich. La forme verbale pourrait être éventuellement aussi une troisième personne du féminin, ce qui est pourtant plus difficile à admettre, car le seul bal est attesté tant à Gelma qu'à Einherma. Cette nouvelle lecture et son interprétation en tant que forme du verbe barak semblent soutenues par les autres inscriptions votives de ce petit groupe, toutes venant du Tophet d'Ein Nechma, origine qui était indiquée sur les dessins. Quelques textes sont assez clairs quant à la lecture de ce formulaire. D'autres, au contraire, sont très mal lisibles. Je les passe en revue rapidement. Voici la stèle, donc 486 sur le dessin Einherma 11, qui représente un personnage debout, les mains levées, qui tiennent une branche de palmier et un gâteau couronne. Et l'inscription peut se lire encore une fois, comme vous le voyez. Ici, troisième personne du singulier, puisse-t-il bénir le fils de, suivi d'un nom propre vraisemblablement libique, dont je n'ai pas trouvé pourtant de parallèle précis. Il y a Massan, Massauka, Massauhan. La suivante. Cette stèle, au contraire, qui montre une femme vêtue d'une longue tunique plissée et d'un manteau également à plis, a une inscription gravée sur sa base qui est très effacée. Et il n'est pas possible cette fois-ci d'en reconnaître avec certitude le formulaire. Le premier mot pourrait se lire Tibrokna, donc deuxième personne du singulier. Mais ce qui suit est tout à fait incertain. Dans cet exemple, donc, la présence du formulaire constitué par le verbe suivi par l'expression ben plus nom propre est incertaine. Dans la suivante, Einherma 7, il y a la représentation très schématisé d'un personnage tenant deux objets dans ses mains. Sur sa partie inférieure sont préservés les restes d'un texte très mal lisible, mais sa formule initiale peut toutefois se lire avec une bonne vraisemblance. Ibrokna ben, puisse-t-il bénir le fils de, et à la ligne suivante, il devrait y avoir un nom propre et peut-être une généalogie. La suivante, la numéro 16, qui est aussi très fragmentaire, elle présente le reste d'un buste entouré de palmes, comme des guirlandes. Ici, le premier mot se lit encore une fois comme deuxième personne du singulier, qui brokna, puisses-tu bénir. Et après, un espace qui paraît vide envoie le mot ben ou bat. Seulement quelques lettres de deux lignes suivantes, qui semblent consister dans une
généalogie, parce qu'on voit le mot « ben » sont lisibles. Et la suivante, la numéro 13, qui est également très fragmentaire, est préservée encore une fois à la partie inférieure d'un personnage debout, au-dessous trois lignes inscrites, suivies éventuellement par une ou deux lettres d'une quatrième ligne. Et si il y a encore une fois Ibrokna, puisse-t-il bénir le fils, puis un nom propre qui commence par Massi-A et qui doit être un nom libique, et peut-être à la ligne suivante, une généalogie. On distingue clairement seulement quelques lettres et donc on ne peut pas pour le moment, du moins, il faudrait au moins voir les stèles, ces petites photos sont assez mauvaises. La stèle suivante, numéro 12, a encore une fois un personnage debout, les bras levés, et cette fois-ci, l'inscription est à son côté droit. L'inscription est sur trois lignes et elle est presque lisible. Mais encore une fois, il est possible de lire à la première ligne les lettres T, B, R, et à la deuxième, Kaf, Nun. Donc, la deuxième personne, puisse-tu bénir. Les signes éventuels après ces deux lettres ne sont pas identifiables, tandis qu'à la ligne suivante, on peut lire le mot Ben. Dans ce cas, il est donc possible, mais non certain, que l'inscription ait présenté le même formulaire qui nous semble attesté que dans cette localité. La suivante, les autres stèles dont les photos furent envoyées à la ville de la Vida, toutes en fragments, préservent les parties de bustes de personnages et ne contiennent pas d'inscriptions qui pouvaient avoir été gravées à l'origine dans la partie inférieure de la pierre. Il paraît, c'est Chabot qui le dit, que souvent on coupait la partie inscrite de la stèle pour pouvoir envoyer à l'extérieur l'inscription plus facilement. Et là, donc, on pourrait avoir les parties supérieures de stèles éventuellement inscrites. Dans deux cas, l'image du dévot est entourée de palmes. Dans le dernier exemple, celui-ci, l'iconographie est celle du personnage au bras levé, surmonté du croissant lunaire avec des palmes à ses côtés. Concluant, ce petit lot de reproduction fournit pour la première fois les exemples d'un groupe de textes néopuniques du Tophet d'Ain Nechma, un centre qui se trouve à 4,5 km à peine au sud-ouest de Kalama et dont l'existence est très peu connue. Le travail de Marcel Le Glais dédié à Saturne Africa et successivement l'étude minutieuse sur les Tophet d'Afrique par Bruno D'Andrea ont rassemblé les notices sur un sanctuaire identifié sur ce site, vraisemblablement un Tophet, qui ne fut pourtant jamais fouillé. Chabot, de son côté, supposait que la nécropole de Kalama se trouvait à Nechma, d'où provient effectivement un certain nombre de stèles funéraires inscrites en néopunique, dont quelques-unes sont connues depuis le 19e siècle. Donc, on croyait alors, et c'est pour cela que l'étude des stèles de Guelma jusqu'en 2008 contient des pièces d'Ain Nechma, car on croyait que c'était un même centre, tandis qu'on voit bien que ce sont deux localités voisines, mais très différentes. Les stèles votives originaires de ce Tophet de Ain Nechma proviendraient de dépôts secondaires, peut-être d'une favissa, comme nous le dit Le Glais, et qui est aussi repris par D'Andrea. Les restes de sanctuaires identifiés, un temple suivant Le Glais, montreraient la continuité entre le culte de Baal Hamon et de Saturne. Le Glais
mentionne des stèles tant funéraires que votives, certaines inscriptions néopuniques, d'autres inscriptions latines. Il partage ces stèles en deux groupes, on en a parlé hier, A et B. Le groupe A, le plus ancien, auquel appartient tiendrait le groupe que je vous ai montré, est daté entre le 1er siècle avant et le 1er siècle après Jésus-Christ. Mais il faudrait des études, des situations plus claires. Dans son ouvrage, Le Glais catalogue 37 stèles votives de ce site, presque toutes inédites jusqu'alors, dont aucune inscription néopunique, quelques-unes écrite en latin. Il décrit cependant le groupe de monuments de tradition punique et sa description s'accorde parfaitement avec nos exemplaires. Je cite, « Les stèles néopuniques d'Ain Nechma représentent presque toutes des hommes ou des femmes nus, debout, le visage plus ou moins informe, les yeux indiqués simplement par des trous, le nez énorme, dans leurs mains une palme et un gâteau couronne ou une grappe de raisin, au-dessus d'eux un croissant. » Fin de citation. À ce modèle, il faut ajouter la figure féminine vêtue à la romaine et les bustes entourés de palmes. Ce sont des motifs qui se retrouvent dans les stèles de Calama, comme l'ont déjà remarqué aussi bien Le Glais que D'Andrea. Les formulaires attestés sont au contraire bien différents. Les inscriptions votives de Guelma ont un formulaire propre, accompagné d'une orthographe bien spécifique. A Ainerma a une orthographe très évoluée, s'accompagne un formulaire qui ne trouve pour le moment pas de parallèle et dont la signification, si son identification est correcte, reste à présent bien obscure et à essayer d'expliquer et à ajouter au dossier des formulaires des Tophet. Merci pour votre attention. Merci. J'ai terminé, on n'entend pas. Grazie Maria Giulia per questa interessantissima presentazione di materiali poco conosciuti. E adesso ho l'onore di chiamare il professor Ahmed Ferjawi, levé dans le sanctuaire de Balamon à la lumière de les formules votives. S'il vous plaît. Vous savez qu'au cours de ce siècle de recherche sur les sanctuaires de Balamon, plusieurs études ont eu lieu. Et ces études-là peuvent être réparties en deux grandes phases. La première phase est consacrée, disons, et peut-être, disons, cette phase-là peut être qualifiée d'une phase influencée par les auteurs anciens, c'est-à-dire gréco-romains et la Bible, qui, tous les deux, ont condamné cette pratique de sacrifice dans ce sanctuaire-là. En réaction à cette phase-là, une nouvelle phase a commencé vers 1981 grâce à notre amie Hélène Benichou et qui a été repris après par Sabatino Moscati, qui tous les deux ont constaté l'absence d'enfants dans les nécropoles de Carthage et ils ont déduit que le sanctuaire de Balamon, le Tophet,
était en réalité une nécropole particulière pour les enfants. Une réaction a eu après ces hypothèses-là, ont poussé ces deux auteurs-là à modifier leur point de vue, à faire évoluer leur position, et finalement, on pense que ce sanctuaire-là, c'est, pour certains, c'est une nécropole particulière, pour d'autres qui nient complètement cette hypothèse-là et qui défendent le caractère sacré de ce sanctuaire-là. On rit, mais finalement, on a constaté donc un siècle de recherche qui a abouti finalement à une position stable, les deux positions qui restent pour l'instant. En réaction à ces deux hypothèses-là, une nouvelle qui vient de commencer, nous avons vu aujourd'hui qu'il y a une reprise d'études des sanctuaires en Sicile et en Sardaigne, une reprise ici en Tunisie pour le Tophet, et une nouvelle étude de sanctuaires de Sousse. Donc, on peut constater donc, en fait, on n'a pas beaucoup avancé. Et dans ce cadre-là, le dossier épigraphique a été sollicité par des éminents spécialistes, mais qui ont fait le point sans apporter de nouvelles lectures. Et donc ce qui fait comment la question qui se pose maintenant, comment l'archéologie et les analyses ostéologiques apportent des réponses assez quand même importantes qui consistent à que le nombre d'enfants et de bas âge qui laissent à penser que peut-être ils étaient morts-nés ou morts à la naissance ou morts juste après la naissance. Et de l'autre côté, le dossier épigraphique ou les interprétations de ce dossier épigraphique laissent entendre que nous sommes en fait devant un type de sacrifice encore mal connu, si je peux dire cela. Vous savez qu'en épigraphie, s'il y a beaucoup d'hypothèses, c'est-à-dire qu'on n'a rien compris. L'épigraphie est, en fait, c'est à peu près une science qui demande l'exactitude et qui, si on ne sait pas, si on trouve devant des difficultés, on doit oser dire qu'on n'a pas compris ou et qu'on laisse le champ libre au lieu de supposer et d'émettre beaucoup d'hypothèses qui, en fait, complique le problème. Voilà, donc, j'ai voulu, dans ce cadre-là, reprendre l'étude des formules pour essayer de comprendre si ces formules-là ou ces études-là qui ont été, en fait, faites au cours de la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire à une époque où l'influence de la Bible et les sources grecques étaient très importantes sur les auteurs et sur sur les épigraphistes, disons, et sur les historiens et archéologues d'une manière générale. Donc, dans ces formules que nous avons vues hier, juste un aperçu, Molk Bal, Molk Omor, Molk Edem, Molk Becher et Molk Azram Esh. Et nous avons étudié donc à peu près les termes Azram Esh et Becher. Et j'ai laissé le reste, la formule entière, pour expliquer juste un petit peu aujourd'hui. Donc Molk, ici on voit que le terme Molk est déterminant pour la compréhension de la nature des sacrifices d'enfants. Mais son sens n'est pas assuré. Nous avons trouvé ce molk-là dans des inscriptions latines d'Ungaous en Algérie qui attestent ce sacrifice molk-omor. Molk-omor, c'est molk, un terme qui est inconnu, et omor, et grâce à Chabot,
on a pu, disons, traduire un petit, en partie, disons, cette locution. Homor, c'est en fait la transcription latine du terme punique homor, c'est-à-dire agneau. Donc on a molk d'agneau. Homor, c'est agneau, donc molk d'agneau. Donc voilà une formule qui montre qu'il y a un sacrifice de substitution ou un sacrifice d'animal. Donc, depuis, deux propositions ou trois pour l'explication de ce terme-là. La première, c'est à partir des inscriptions donc, latines d'Ungaus mentionnant le sacrifice molkomor. Molkomor a été traduit par Chabot par promesse d'agneau à partir de la racine malak en araméen qui signifie promettre. Et donc, il a traduit par promesse d'agneau. C'était ça en 1931. On va voir maintenant l'évolution des études à travers ce siècle de recherche. Quelques années après, c'est le savant allemand Eisfeld qui a pu déterminer le terme molk et a pu savoir, dire que ce terme-là, molk, est un terme technique sacrificiel désignant le sacrifice pratiqué dans le tophet. Et pour chercher une étymologie de ce terme-là, Dussault, en 1946, donc une dizaine d'années après, a proposé que ce molk-là provient de la racine malaka, attestée en arabe, avec le sens posséder, régner. Et molk, donc pour lui, c'est la puissance, le pouvoir, la possession, et a traduit ce terme-là par possession, c'est-à-dire sacrifice entre parenthèses, de possession, c'est-à-dire que ce sacrifice s'appelle sacrifice de possession. Et il a traduit la formule molk-baal, c'est-à-dire la possession de la divinité, du dieu Baal. Donc, c'est-à-dire que l'enfant s'est voué à cette divinité-là, c'est une sorte de possession, c'est-à-dire qu'il devient par le vœu une possession de la divinité. Et qui peut s'abréger, cette formule entière, s'abrège en molk. Cette explication est tombée en désuétude, c'est-à-dire que personne n'a repris cette hypothèse-là, jusqu'en 1994, quand Del Moletto a repris cette explication-là, mais en la modifiant et en proposant de traduire sacrifice du roi ou sacrifice de la royauté de Baal. Donc on n'est pas loin, en fait, de la première proposition de Chabot. La deuxième hypothèse, c'est que qui remonte à Eisfeld en 1935, parce qu'il a expliqué que ce terme technique signifie offrande ou bien sacrifice. Donc vous voyez qu'il y a deux significations tout à fait différentes, complètement différentes. Et en 1953, c'est-à-dire 18 ans après Février, a donné une assise étymologique à cette explication, en complétant deux autres philosophes sémitisants allemands, von Soden, le grand assyrologue, et Alt. Et pour lui, pour Février, le molk provient de la racine alak, qui signifie à la forme simple aller, et à la forme causative, c'est-à-dire faire marcher, faire aller, c'est-à-dire apporter. Et il donne le sens à ce verbe-là, à la forme accusative, donne le sens d'offrir. Donc, il a donné ce sens-là, mais pas gratuitement. Non, il s'est fondé sur une séquence, c'est-à-dire sur une phrase, dans une grande inscription phénicienne, c'est l'inscription de Karatépé. Et dans cette inscription-là, on a cette phrase, Yalak Zabah, c'est-à-dire Zabah,
sacrifice, offrande, et yalak, c'est-à-dire apporter. Et apporter un sacrifice, c'est-à-dire offrir un sacrifice. Voilà comment il a fait évoluer le sens. Troisième hypothèse, et la dernière, c'est on a supposé l'existence d'une racine en phénicien yalak, aller, et à la forme causative yalak, et offrir. Et quatrième hypothèse, pour faire vite, on a traduit molk par l'envoyé, le messager, en le faisant dériver d'une racine alak ou yalak. Or, ces deux racines, ces deux dernières hypothèses sont écartées. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas attestées en ougaritique, ni en hébreu, ni en araméen. Ces deux racines n'existent pas. Et l'envoyé ou le messager dérive, en fait, ce n'est pas de cette racine-là. Il dit, c'est elle, l'envoyé, c'est-à-dire molk, qui signifie, en fait, ce n'est pas molk, c'est melek, qui est le messager, dérive de la racine alaka. Alaka, regardez les dictionnaires du Moyen-Âge, vous allez trouver alaka, qui donne le nom malek. Et donc le messager, l'envoyé, provient de la racine alaka et non pas de yalak. Donc c'est à écarter. Bon, il reste donc, si nous écartons ces deux hypothèses, il nous reste deux. La deuxième, c'est-à-dire molk, c'est offrande, et qu'il provient de la racine yalak et yalak en causative, c'est cette hypothèse-là. Nous constatons, disons, les objections contre cette hypothèse-là, on n'a pas en phénicien, jusqu'à l'heure actuelle, l'usage du verbe yalak exprimant le sens offrir, mais on a le sens apporter. Or, apporter, c'est une chose, et offrir, c'est une autre. Parce que nous avons et yalak, on n'a pas l'usage du verbe yalak, c'est offrir dans ce sens-là, est absent dans les inscriptions. Nous trouvons dans les inscriptions Zabah, offrir, Yatan, donner, Nadar, vouer, Shama, offrir. Mais on n'a jamais, si Yalak signifie offrir, on aurait dû les trouver dans les inscriptions votives à Balaman. Il y a Zabah, Yatan, Nadar, Shama, ce sont des synonymes, des divers synonymes qui signifient offrir, mais jamais Yalak. Offrir. Donc, on peut dire, si Yalak a existé, si Yalak dans le sens d'offrir a existé, on aurait dû trouver. Ensuite, au point de vue grammatical, la vocalisation molk, d'après les inscriptions latines d'un gaous, montre que ce participe ne provient pas de la racine ifil, c'est-à-dire à la causative. Quand le participe du verbe au causatif se prononce mikol, on a beaucoup d'exemples de participe qui provient de la racine d'une racine à la forme causative. On trouve mikol, il n'a pas mol, un mot, non. Voilà, donc vocaliser au point de vue grammatical, le mol ne peut pas être le participe de ce verbe-là. Et puis, le sens, molk, qui est un sens générique, offrande, c'est un terme général, je veux dire. Un terme général ne peut pas, peut-être, probable, je pense, me semble-t-il, ne peut pas être appliqué à un sacrifice particulier dans un sanctuaire particulier. On a besoin d'un terme spécifique qui indique ce type de sacrifice. Par exemple, nous avons une phrase dans les inscriptions de Galma que notre ami
Gozon Madaz vient de parler de Galma. Donc nous avons cette Zabah Bimolk Azram Esh. C'est-à-dire qu'on traduit par à sacrifier en offrande sacrificielle Azram. Vous constatez qu'il y a une sorte de redondance. Zabah Bimolk, c'était offrir en offrande. Mais il y a une répétition. Il y a une, en grammaire, on dit redondance. Donc, Zabah tout court, ça suffit pour exprimer le sens d'offrir. Pour éviter cet embarras, on a proposé de traduire cette phrase par « à égorger en offrande ». Parce qu'ils ont constaté qu'il y a une redondance. Donc, ils ont dit, peut-être le premier sens de Zabah, qui est offrir en phénicien, et le premier sens, c'est égorger, qui reste en arabe, à égorger en offrande. Or, Azram, nous avons vu ça hier, Azram, ne signifie pas agneau, et donc la phrase, l'explication ne peut pas être soutenue. Ce verbe zabar, employé seul pour exprimer le sens d'offrir, sans l'ajout de cette expression, bimolk. Donc, bimolk, normalement, devrait être traduit par un autre terme qui traduit le sens de ce sacrifice, par exemple, zabah en sacrifice de possession. À ce moment-là, nous comprenons. La phrase devient intelligible. Le sens devient acceptable. Donc, l'emploi de bimolk a pour objectif de désigner le type de sacrifice offert à la divinité. Molk désigne ici donc une catégorie spéciale d'offrande et ne peut pas être un terme générique. Molk ne signifie pas donc, en mon sens, offrande sacrificielle. Il faudrait revenir à l'explication de René Dussault en 1946. Parce qu'il donne la spécificité de ce sacrifice et peut répondre à d'autres situations des inscriptions, comme bémol. Et la formule entière, molk baal, c'est-à-dire possession de baal, voilà. Bon, je reviens à février qui a anéanti cette explication-là pour faire valoir son explication. Donc, il a apporté des critiques à l'hypothèse que offrir que molk signifie baal. Il a avancé des arguments contre cette explication. Nous allons les voir, ces arguments-là. La racine malaka a le sens de régner, c'est vrai, et non pas posséder en phénicien, mais comme c'est un sens évolué, régner, en fait, le premier sens, c'est posséder. Posséder quelque chose, c'est-à-dire l'accaparer, le régner, ça devient à sa possession, donc il le domine. Donc, le premier sens, c'est le sens de posséder avant le premier sens. Et il y a des études qui ont été faites pour démontrer au deuxième millénaire, dans quelques attestations cananiennes, onomastiques, je pense, que le verbe malaka peut avoir le sens de posséder. Deuxième argument de février, il dit qu'il est étrange que les sacrifices d'enfants sont pratiqués en l'honneur de Baal en Orient, et à Balamon, ou bien à Tanit et Baal en Occident. Vous savez, dans la Bible apporte que dans le Tophet de Jérusalem, il y avait des sacrifices à Baal, dans le Tophet de Baal. Donc le sacrifice était pour Baal. Or, février, il se demande comment un sacrifice dédié à la divinité Baal en Orient, devient en Occident un sacrifice dédié à Balaman. Donc, il y a deux, c'est différent. Mais nous, on peut répondre, il serait plus étrange qu'une pratique en Orient
phéniciens, en Orient, disons, en Orient araméen et phéniciens, disons, de cette région-là, étaient passés en Occident phénicien avec un changement de divinité. Nous avons le même sacrifice, c'est-à-dire passer par le feu, parce que la Bible dit que les Cananéens passent leurs enfants par le feu, c'est-à-dire brûler les enfants, passer par le feu. Comment ce sacrifice-là est passé en Occident avec le changement d'une divinité, de la divinité titulaire? Normalement, la divinité reste avec le rite. Bon, donc on devrait demander que le dieu Balaman, en fait, en Carthage, n'est que Baal. Et Balaman, c'est la forme, une forme, l'une des formes de Baal. L'une des formes de Baal. Pourquoi? Parce que les noms théophores, les noms propres portés par les Carthaginois renferment les noms propres, ce sont des noms théophores, c'est-à-dire un nom théophore, c'est-à-dire un nom composé avec un prédicat, avec un adjectif ou un verbe lié au nom de la divinité. Ça s'appelle un nom théophore. Donc tous les noms théophores, la majorité des noms théophores sont composés par Baal, et non pas par Balaman. Balaman n'existe pas à Carthage en tant que nom divin faisant partie d'un nom propre. Donc nous n'avons que Baal. Balaman n'existe pas dans l'onomastique. Or, l'onomastique est très importante. L'onomastique témoigne de la piété des Carthaginois envers leur divinité. Et nous avons dans l'inscription, dans toutes les inscriptions du Tophet, Tanit Penebal, et non pas Tanit face Tanit Penebal, c'est-à-dire Tanit face de Baal, c'est-à-dire Tanit face de Baal, et non pas Tanit face de Balaman. Il y a Baal. Aussi, on peut ajouter d'autres arguments dans les sanctuaires tardifs. Alors, nous trouvons dans les inscriptions le nom Balaman et le nom Baal. Une inscription dédiée à Baal et d'autres inscriptions dédiées à Balaman. Ce qui montre que le Baal peut être nommé Balaman ou Baal. Le sanctuaire de Djeni Sud, par exemple, que nous avons vu hier par Edith Redil, nous l'a montré, est dédié à Baal et à Tanit, c'est-à-dire à Balaman et Tanit. En Tunisie, c'est à l'époque tardive, c'est Balaman. Dans le sanctuaire, dans ce sanctuaire-là, la stèle, l'inscription qui commémore l'érection de ce temple-là est dédiée à Baal et à Tanit. Donc, ainsi, aucune raison n'empêche de traduire Molk par possession. Et ce terme donc technique indique que l'enfant est devenu, par le vœu, consacré à Baal. Il est consacré à Baal, c'est-à-dire il est à sa disposition et à sa possession. Mais là, après, reste l'interprétation de la possession et la disposition à la divinité de Baal. Donc voilà la formule la plus importante, la plus importante. Et à partir de cette formule, il y en a d'autres que nous avons vues hier et qu'on peut la revoir rapidement. On peut revenir peut-être à la première. Voilà. Donc, Molk, nous avons vu Molk. Molk Baal, on l'a vu. Molkoma, nous l'avons vu. Molkoma. Et Molk Edem, vous voyez, Molk Edem est lié à Molk Becher et à Molk Azram. Pourquoi? Parce que Molk Edem est attesté avec Becher. Molk Edem, Becher. Et Molk Edem aussi attesté avec Azram. Nous avons Molk Edem tout seul, Molk Edem, Becher, Molk Edem, Azram, qui signifie la même chose. Donc en fait, nous avons résolu le problème. Parce que Azram, Esh et Becher, nous les trouvons dans les autres formules. Dans les autres formules. Pour conclure,
Donc il faudrait maintenant se rendre à l'évidence, à mon avis, que le terme molk, et c'est un terme spécifique pour le sacrifice pratiqué dans les sanctuaires de Balaman, et qui signifie très probablement, pour être très prudent, que c'est une possession, et cette possession-là, la possession de l'enfant par la divinité, ce n'est pas pour le tuer ou pour l'égorger, non. Il faut comprendre la mentalité sémitique à ce moment-là. Et donc, pour comprendre le sacrifice, il faut comprendre la mentalité, il faut mettre ces actes, ces pratiques dans le contexte des Phéniciens, de la religiosité des Carthaginois et des Phéniciens d'une manière générale, des Sémites d'une manière générale. L'homme fait partie, c'est la possession, il est entre les mains de la divinité, en fait. Et nous trouvons ça partout dans l'inan onomastique. Et quand le vœu, quand le fidèle a voué l'enfant à son enfant, à la divinité, ce n'est pas pour l'égorger, parce que la divinité a rendu service au fidèle. Non, c'est loin de là. C'est pour qu'il soit, qu'il bénéficie du vœu. Il bénéficie du vœu, c'est-à-dire de la protection, de la divinité. Et si nous prenons toutes les inscriptions phéniciennes et puniques, on voit toujours, il y a beaucoup d'inscriptions qui montrent que l'enfant est toujours aimé, chéri par les parents, et que surtout la mentalité sémitique est contre, disons, cherche toujours avoir la descendance. Donc comment, d'un côté, les sémites cherchent toujours la descendance, et d'un autre côté, ils tuent leurs enfants. C'est une contradiction terrible. Nous avons beaucoup d'inscriptions dans ce sens-là. Pour faire rapide, parce que ça, c'est loin. Ça, vous pouvez, entre parenthèses, oui, une minute. D'accord, pour conclure encore une fois, et c'est qu'il y a une contradiction entre la formule finale et la formule introductive si nous croyons que l'enfant a été donné à la divinité pour être, disons, pour qu'elle soit sacrifiée réellement. Parce que la formule finale, c'est Shama Kolo Barako, c'est-à-dire il a entendu ses souhaits et il a béni. Donc il demande la bénédiction, il demande la bénédiction parce que le Dieu, pour avoir un enfant, il faut que Dieu intervienne pour avoir l'enfant, parce qu'il était béni. Il faut la comprendre autrement, cette phrase-là, sinon on ne comprend pas le sens, à mon avis, le sens de sacrifice. Et je vous remercie. Merci. Le professeur Lorenzo Nigro, donc président de cette séance, s'excuse auprès de vous parce qu'il est obligé de partir à l'aéroport. Donc, je prends la relève et je remercie d'abord Sir Ahmed Ferjewi pour cette belle conférence parce qu'il reprend les formes sacrificielles tant compliquées et très difficiles en fait. Mais merci, Sir Ahmed. Et donc j'ouvre le débat. Je remercie aussi tous les collègues pour leur communication très intéressante. Comment ? Ah d'accord. J'ouvre le débat, mais malheureusement nous n'avons pas beaucoup de temps puisque nous sommes encore une fois en retard. Du coup on a 15 minutes. Donc s'il vous plaît, évitez un petit peu les parenthèses et allez directement aux questions. Le débat est ouvert pour toutes les communications. C'est légitime. Oui.
Concernant l'intervention de Madame Hafienne, Sonia, vous avez parlé d'un taureau dont le cou est orné d'un trait rouge qui serait du sang. Bon, assez rapidement, dans les contextes sacrificiels, et si on regarde un peu les bas-reliefs romains et même les mosaïques, assez souvent, les animaux offerts en sacrifice sont ornés de guirlandes ou de rubans. Et donc, il suffit de lire l'article de sacrificium dans le D'Alembert et Saglio. Mais il y a une mosaïque, par exemple, qui vient d'Elgem, la célèbre mosaïque du Chadrapha Dionysos, où l'on a une venatio, donc des taureaux qui combattent des ours, et les taureaux sont ornés de rubans. Donc, tout simplement, voilà. Oui, merci pour la précision. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci pour les interventions et les communications qui ont été présentées. Je voudrais m'adresser à Solène pour lui demander une question. Voilà. Pour la stratification qu'elles ont faite dans les urnes votives, là, sachant que toutes les urnes comprenaient des ossements, des restes des ossements et du centre, je voudrais savoir comment elle a procédé pour faire la stratigraphie, sachant sur quoi elle s'est basée, sur quels critères, voilà. Oui, donc en fait, c'est une stratigraphie, en effet, qui permet surtout après... Pardon. C'est une stratigraphie, on va dire, non archéologique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle ne suit pas des couches. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en suivant cette stratigraphie qu'on réalise, en fait, on fait des couches entre 1 à 1,5 et 2 cm. Ce n'est pas toujours facile d'être précis au millimètre près. Et on va. Et ce qui va permettre en fait derrière d'étudier surtout la distribution des eaux à l'intérieur de l'urne. Par contre, quand on descend, évidemment, il va parfois voir une sédimentation différente à l'intérieur de l'urne. Et donc ça, évidemment, on va aussi prendre en compte. Par exemple, comme des urnes où, bon, là, il n'y avait pas de terre infiltrée, par exemple, et bien là, c'est vraiment... En fait, il faut imaginer que les eaux ont été mises en une seule fois, c'est certain. Donc en fait, quand moi, je fais deux relevés, ça, c'est vraiment un acte personnel pour après, derrière, étudier spécifiquement les eaux à l'intérieur de l'urne. Par contre, quand je vais avoir une stratigraphie, quand je vais avoir un comblement, je peux très bien, comme ça a été vu par exemple à Carthage, avec le bouchon qui va descendre et après la terre qui va s'infiltrer. Ce qui est certain, c'est que même si nous allons mettre relevé 1, relevé 2, relevé 3, après les trois premiers relevés, par exemple, vont être mis dans la même US pour dire que là, c'est vraiment une US archéologique, j'ai envie de dire. Là, nous sommes sur des US de travail. J'espère avoir répondu. Aurais-tu voulu rajouter quelque chose ? Merci beaucoup. Je commence à poser la question à M. Ahmed Ferjaoui parce que j'ai constaté aussi sur quelques stèles qui proviennent de Tophet du Sousse, il y a le terme itanim avec mi et le verbe qu'il a évoqué tout de suite, atan. Vous pouvez nous expliquer la relation entre Atan et Itanim? Il y a la formule à la fin de quelques inscriptions de Tophet du Sousse qui se termine à la fin, dit l'assemblée de peuple d'Itanim. Ah, Yarnim. Non, il y a I. S'écrivait epsilon itnm, Itanim. Itanim, je ne sais pas, mais c'est un lieu de ça. Itanim, c'est I plus. À mon avis, c'est pas Tanim, c'est autre chose. Et I, c'est l'île. Et Tanim, c'est le nom d'un animal qui vit dans l'île. Et ça, l'île, ça, on l'appelle comme par exemple.
comme Yarnim, hier qu'on l'a vu, c'est-à-dire l'île des Hiboux, je pense, Pantelleria, ou bien Aibishim, Ibiza, il y a toujours Aï plus le nom, le nom de l'animal qui vit. Ou comme par exemple Aigirim, Aigirim c'est Zambra. Aigirim, c'est-à-dire l'île des Hiboux. Boum, c'est S à la fin. C'est les bouts sauvages qui vivaient à cette époque-là, d'ailleurs jusqu'à maintenant, à l'île de Zambra. Voilà. Bien, évidemment, quelques questions à Solène. D'abord, une remarque à propos des pollens. C'est-à-dire que, oui, s'ils ont déposé des fleurs à l'intérieur du vase, mais après le dépôt de l'enfant. Parce que dans les crémations, Michel Girard a montré à propos de nombreux exemples, et on a refait ça sur Pompéi, dans la crémation, les pollens se détruisent. Donc on ne peut pas avoir d'image de fleurs qui auraient été déposées sur le bûcher. En revanche, on peut très bien imaginer qu'ils ont déposé des fleurs à l'intérieur de l'urne. Moi, ce qui m'a frappé dans ce que tu dis, c'est que, dans ce que tu as présenté, c'est que finalement, ce que tu as étudié ressemble beaucoup plus à ce qu'on a sur les crémations d'époque romaine, avec du poulet, notamment, qui est, que ce soit à Pompéi, à Cum ou au Vatican dans l'Acropole Santa Rosa. Et je voudrais revenir sur cette dualité donc, d'urnes pour lesquelles on aurait une collecte manuelle sur l'aire de crémation, ce qu'apparemment nous n'avons pas dans les urnes étudiées à Carthage, et les urnes dans lesquelles il y aurait eu un curage de cendres après la collecte manuelle, de sorte qu'il ne reste que des petits fragments à l'intérieur. Alors, ce sont des choses que j'ai pu observer à Cum, que j'ai pu observer au Vatican, dans l'Acropole Santa Rosa, mais je ne suis pas forcément d'accord avec ta conclusion quand tu dis ça ne peut pas être l'urne complémentaire parce que j'ai une pièce en double exemplaire. Il se trouve qu'au Vatican, dans le monument 31, bon, peu importe, de la nécropole Santa Rosa, il y a un petit monument funéraire avec cinq urnes, mais il y en a une qui est déposée plus tardivement, disons quatre urnes, et il y a une urne... Bon, trois urnes contiennent des restes d'un individu, plus quelques os surnuméraires provenant d'erreurs de collecte, et une ne contient que des cendres. Eh bien, dans ces cendres, j'ai pu trouver des collages avec deux individus. C'est-à-dire que le curage a été fait après la crémation d'au moins deux individus. Alors, évidemment, quand on travaille sur des crémations d'adultes ou d'enfants relativement grands, on a beaucoup plus de chances de trouver des collages que quand on travaille. Quand tu tenteras les collages sur les fragments de côte d'enfants morts en période périnatale, je te souhaiterais bien du plaisir, évidemment. Mais je veux dire que pour moi, ça n'est pas la preuve absolue que ce ne sont pas les cendres provenant du bûcher sur lequel cet individu avait été brûlé, celui qui est aussi sous la stèle. Sauf que si un autre a été brûlé avant, on peut trouver aussi un os d'un sujet surnuméraire. Voilà, je ne suis pas sûr d'avoir raison, bien entendu, mais je pense qu'il faut garder cette hypothèse. Oui, merci Henri pour les deux précisions. En effet, j'ai pas précisé, mais que pour les études de pollen, évidemment, c'était des fleurs qui auraient pu être déposées après. On est bien d'accord qu'ils sont détruits lors de la crémation, donc ça, il n'y a aucun doute, c'est moi qui ne l'ai pas clairement exprimé. Et oui, tu as tout à fait raison aussi pour ce que tu viens de dire. C'était un peu un raccourci dans le PowerPoint, mais en effet, il faut bien préciser que quand j'ai qu'il y a deux individus, c'est en tout cas que j'ai deux individus. Voilà, mais ce qui ne veut pas dire évidemment que cela ne peut pas être les restes de l'individu qui est à côté. Nous sommes tout à fait d'accord. Je me permets de poser quelques questions à mes collègues de Doug. Donc, enfin, combien de niveaux de déposition vous avez sur le site? Ça, c'est la première. La deuxième, c'est par rapport aux ossements brûlés.
aux ossements, il y a une différence dans le degré de brûlure des ossements. Cela peut-il nous renseigner sur la position de l'individu sur le bûcher ? Pour les ossements que tu as montrés tout à l'heure, Solène, où il y a une différence de degré de brûlure, tu nous as montré que la partie gauche, peut-être elle est plus brûlée que la partie droite. Cela peut-il nous renseigner sur la position de l'individu sur le bûcher ? Est-il plus mis sur son côté gauche plus que son côté droit ? Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est par rapport aux ossements d'animaux que vous avez trouvés dans les strates. Là, d'après ce que j'ai compris, vous les associez directement aux activités rituelles pratiquées. Donc, il y a une exclusion totale que ces eaux pourraient provenir de la terre rapportée, par exemple, pour couvrir les urnes. Terre rapportée qui pourrait provenir d'ailleurs, pas forcément de la zone du sanctuaire. Et elle peut contenir, dans ce cas, quelques matériel, d'autres ossements. Pour les strates, en fait, nos prédécesseurs nous ont laissé quelques lambeaux, comme j'ai montré dans ce qu'on a publié sur les fouilles 2017-2019. On voit qu'il y a au moins 5 niveaux, mais sans relation stratigraphique entre elles. Puisqu'il y a le rocher, et donc quelquefois on a l'urne comme l'urne neuf directement sur le substrat. En revanche, dans la zone fouillée cette année, on a au moins 2 niveaux d'urne, mais très proches en fait, parce qu'on a une structure qui isole la couche cendreuse où était toute une série d'urnes. Donc on a comme si on avait une structure en pierre avec une couche de la terre d'infiltration, en fait, très fine, pas homogène. On a systématiquement trier et collecter en fait les ossements et la céramique des couches autour des urnes on a donc de la céramique j'ai pas eu le temps de le présenter et puis tout l'étude n'est pas complètement finie, les dessins sont en cours, mais on a beaucoup de parois fines, on a aussi des mortiers, on a du matériel en fait de la vaisselle de préparation, donc on a peut-être quelque chose lié à des repas avec les urnes. Donc les poissons, les animaux, Frédéric a montré qu'il y avait des traces de découpe. Là, on a quand même un sondage très étroit, donc pour le moment, on ne peut pas entièrement interpréter, mais je crois que dans les autres autofaits, je pense qu'il faut regarder ces couches de remplissage sur les urnes qui montrent quand même c'est pas très loin, donc c'est peut-être des nettoyages du foyer du bûcher qui a été en fait déposé et puis d'autres les vestiges des repas. Oui, pour rajouter quelques Oui, pour rajouter quelques éléments, dans ces prélèvements, donc, en effet, on s'est posé la question avec Frédéric, il pourra y répondre aussi, mais c'est vrai que la question s'est posée. Est-ce que ces éléments d'animaux que l'on retrouve à côté, est-ce que ça vient vraiment du sanctuaire ou pas ? Une des réponses qu'on peut apporter, c'est pour ça qu'on part un peu sur cette hypothèse, c'est que mélangé à ces ossements d'animaux, nous avons aussi des petits fragments osseux humains. Donc... parce qu'on a la même chose. Hein. Oui, non, bien sûr. Peut-être s'il est connecté, il peut intervenir. Oui, il va répondre. En tout cas, on suppose que ça vient pas de bien loin. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on part sur cette hypothèse. C'est vraiment là tout nouveau. Hein. On a découvert ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait des prélèvements importants et qu'on va vraiment tout trier, qu'on va bien regarder, qu'on va regarder le pourcentage justement d'os humains, de faune, etc. pour aller plus précisément et pour pouvoir apporter une réponse plus fine. Pour répondre à ta question aussi sur la position du défunt sur le bûcher,
Bon, alors, bon, je ne me permettrai pas d'aller aussi loin, j'avoue. Bon, là, en plus, on a un cas, bon, je vous ai montré évidemment le cas qui est très visible. Après, c'est quand même un peu moins visible. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des zones qui sont moins brûlées, d'autres qui le sont un peu plus. Si à chaque fois, j'avais le côté droit qui était moins brûlé que le côté gauche, je pourrais me dire qu'en effet, il est mis sur le côté et puis que le feu a fait moins effet sur la partie qui était supérieure, etc. Là, j'avoue que je n'oserais pas, en tout cas, pour l'instant, aller plus loin dans cette direction. Voilà. Et la première question, je n'ai pas entendu parce que je parlais avec Henri. Non, je suis désolée. donc je suis désolée, je n'ai pas entendu la première question. Non, c'était à question. Propos de ça, en fait. Ah, d'accord. Okay. Peut-être Frédéric souhaite rajouter un mot sur les ossements animaux. Oui, concernant les ossements non brûlés qui sont présents dans les US alentour, moi, je ne pense pas que ça vienne d'ailleurs. Parce que d'une part, le sanctuaire de Saturne est quand même très à la périphérie de la ville. Donc ça me paraît un peu suspect, enfin bizarre qu'on ait apporté ces déchets, en l'occurrence des déchets domestiques, sur ce site. Et puis une autre hypothèse qui me fait penser que c'est vraiment lié à ce sanctuaire, c'est les 97% de restes de caprinés. Ça serait des restes qui proviendraient de rejets domestiques de la ville. On aurait une proportion, je sais pas, d'espèces de la triade beaucoup plus diversifiée. On n'aurait pas, enfin, je pense pas, mais ça, il faudrait voir aussi dans des niveaux domestiques de Douga si on consomme que des caprinés ou si y a une autre consommation d'animaux. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que comparé à ce que je connais, par exemple, sur Reims, c'est-à-dire qu'on a des choses qui sont quand même assez équilibrées. On ne va pas avoir dans de l'habitat une espèce qui représente plus de 90% des restes. L'alimentation est quand même un peu plus diversifiée. Alors que là, on a une proportion de caprinés qui est aussi importante que dans les urnes. Donc ça pourrait coller. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon. On doit aller manger. Je remercie. Je dois saluer Madame Amada Zigouzou, si elle est encore connectée, pour sa participation à distance. Oui, je suis là. Et